Hello, c'est Jodie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'épisode 8 de notre Let's Play sur l'Occulte Family Dynamics, la troisième génération. La dernière fois, on n'avait fait qu'une seule journée Sims, puisqu'on avait fêté l'anniversaire de la petite Snow, qui était devenue bambin. Donc, ça y est, elle va commencer à avoir ses premiers objectifs. Là, il faut qu'elle atteigne uniquement le niveau 5 de la compétence imagination. Et aujourd'hui, on fête Noël. Voilà, on a beaucoup d'événements beaucoup en ce moment qui se passent. Donc, je vous propose qu'on se retrouve en jeu de suite. J'ai fait quelques petites modifications dans la maison et finalement je les ai annulés, voilà j'avais changé les revêtements et puis finalement j'ai laissé les mêmes et du coup bah, ça a validé l'objectif décoration, donc je suis un petit peu dégoûtée c'est un petit peu de la triche, je vais acheter un petit sapin mais le problème c'est que je sais pas du tout où est-ce qu'on va le mettre cette maison est à la fois immense et minuscule, on a Otsana et Andro qui sont euh, debout, on a la petite qui fait dodo, alors elle elle a quand même deux traditions, elle a ouvrir des cadeaux et père hiver, le père hiver apparaît à 20h, ok, Trouvez le père hiver et demandez lui un cadeau, je vais déjà commencer à enlever les... déjà je vais enlever une chaise parce que pour l'instant on n'en a pas besoin de 4, on n'en aura jamais besoin de 4 finalement, sauf si on a des invités mais bon, vous connaissez hein, la famille elle commence à rétrécir de plus en plus finalement donc ouais j'aimerais bien quand même acheter un petit euh, un petit sapin, alors on a celui-ci à 190 celui-là à 200, on va prendre le milieu de gamme, hein. est-ce qu'on a le tas de cadeaux est-ce qu'on peut en placer un ou est-ce que c'est eux qui le placent, je me souviens plus du tout alors on a effectivement un tas de cadeaux ici c'est très étroit hein. c'est vraiment très étroit on a un autre petit tas de cadeaux à ce niveau là euh, la table on va la rapprocher un chouille. bon pour l'instant la petite elle dort encore euh, j'ai changé sa coupe c'est un petit cc qui est trop mignon voilà j'ai craqué euh, est ce qu'on avait quelque chose à manger ah bah tenez on va préparer le grand repas comme ça ça fera la tradition on va faire un grand petit déjeuner et on va tester parce que dans mon perfect life challenge Ellie ne veut pas manger dans la chaise haute au début je croyais que c'était un bug mais vous m'avez dit que c'était pas un bug et que c'était elle qui appelait à chaque fois son père ou sa mère pour se faire sortir de la chaise. Donc on va tester avec Snow, on va la mettre dedans et on va voir si elle aussi elle sort ou, euh, ou, euh, ou finalement elle reste à l'intérieur. Voilà, on va voir tout ça parce que je ne sais pas encore. Annoncer le grand repas, comme ça Andro il va pouvoir venir manger. La petite non par contre, elle mangera juste après. Alors Snow, qu'est-ce qu'elle avait Elle était pénible, un nourrisson au top, adore se réveiller et déteste qu'on la porte. Elle est un peu à et à vapeur finalement cette, cette petite. Échanger des histoires de bébés qui franchissent des étapes. Allez pourquoi pas on va aller faire un petit peu papoter de bon matin et il y a un truc qui cloche là la dernière fois on leur a fait boire une potion d'âge éternel et ben bah, et leur jauge elle était redevenue au début et là elle avance de nouveau c'est curieux quand même peut-être qu'ils sont éternels mais en tant qu'adultes et pas en tant que jeunes adultes ou alors juste peut-être que la potion elle reset la barre mais dans ce cas-là c'est étrange attendez bah vous savez quoi on va aller voir dans le grimoire directement potion d'âge éternel une potion permettant à un signe de rester à son âge actuel bah non alors elle devrait ou alors peut-être que la barre se remplit mais qu'elle va jamais vieillir je sais pas, on verra ça. Parce que là, c'est dans 13 jours, donc on a quand même un petit moment avant de voir euh, eh bien, si ça fonctionne ou pas. Alors, ok, tradition terminée. Du coup, il a un coma alimentaire. Super. Alors, la petite, on va lui donner une portion, je pense, du grand repas. Comme ça, ce sera bien nourrissant. Mais on va d'abord la poser dans la chaise. Nous, pendant ce temps, on va aller nettoyer tout ça. Ensuite, on va aller au sous-sol, parce qu'à chaque fois, j'oublie, euh... Vénus nous appelle. Et mais franchement, Vénus, elle est super envahissante quand même. Franchement, vous n'êtes pas d'accord Elle est tellement envahissante. Notre mère, c'est dingue. C'est vraiment hallucinant, quoi. Ah oui, notre plan de vache euh, paie à son âme. Ah, et j'avais reçu un commentaire très intéressant. Il faut vraiment que je nettoie ce lavabo. Euh, concernant les collections, je vous avais dit que qu'il fallait récolter... Enfin, euh, il fallait, euh, comment dire, débloquer tous les trucs de toutes les couleurs et tout. Mais, alors, j'ai pas vraiment le commentaire en tête. Mais il y a une personne qui m'a fait remarquer qu'il y avait écrit plus 5 ici. Donc, plus 5, ce sont des éléments bonus de ce que j'ai compris. Et nous, il nous reste plus que 9 items à retrouver pour atteindre les 26. Et les plus 5, ça fait partie des des objets qui sont de couleurs différentes de ce que j'ai compris et c'est pas vraiment c'est bonus quoi donc si on atteint déjà les 26 l'objectif est censé être rempli voilà c'est ce que j'ai compris si la personne se reconnaît n'hésite pas à me rapporter des précisions parce que je suis pas sûre d'avoir tout compris mais c'était des trucs optionnels apparemment euh... Le plus 5, donc on n'a pas vraiment l'obligation de prendre tous les objets à 100%, de toutes les couleurs. Alors, euh, Snow, elle déteste être reportée, donc j'espère que ça va aller là. Il <laughs> y a mon chat qui fait des bêtises derrière. Grand petit déjeuner, tu vas prendre une portion pour Snow. Saboter la nourriture depuis quand on peut faire ça Médicaments pour l'estomac. Mais pardon, je connaissais pas du tout ça. J'ai jamais cliqué, euh, jamais vu ça. Bref, prendre une portion pour Snow. Alors voyons, est-ce qu'elle reste dans la chaise Oui, oui. Bah écoutez, c'est vraiment Ellie qui est, euh, qui est capricieuse dans le, dans le Perfect Life. Hein. Peut-être que j'ai parlé trop vite. Non, non, là elle mange. Ok. Oui, oui, c'est Ellie qui est capricieuse. Ok, très bien. Bon, va falloir qu'on s'occupe du sapin, nous. Difficile pour la nourriture. Non, mais elle est horrible cette petite fille, c'est pas possible. Elle est pénible. Déteste qu'on la porte. Difficile pour la nourriture. Non mais tu manges, hein, Tu manges. Bon, tu vas peut-être pas tout manger parce que l'assiette elle est énorme. Mais... Euh... Oh mais vous avez vu ce qu'elle a fait? Ah, il a sermonne, c'est bien. <laughs> regardez là sa tête, là. Non, mais j'hallucine. Andrew, tu vas aller me nettoyer ça de suite. Et en fait, non, tu feras ça après parce que là, elle a un besoin urgent d'aller au pot. Et c'est l'occasion de tester ce nouveau pot qui vient avec Alloué. Oh, dynamique familiale stricte. Je vais essayer de mettre oui à toutes les, les pop up de ce genre-là parce que c'est plus RP. Mais bon, euh, c'est bon, il l'a engueulé une fois, ça veut pas dire qu'il est strict, quoi. Princesse s'est réveillée. Ben, on va aller jouer avec elle un peu parce qu'on a besoin de se divertir. Il y a de nouveau les chats errants, regardez-moi ça. Il y a toujours Wallet et Majora Majora est revenue Ça faisait super longtemps Majora est revenue et il ou elle fait dodo Je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Mais Majora, mais sérieux D'ailleurs, il n'y a personne qui a eu la rêve dans les commentaires, j'étais très triste. Voilà. Burke, pas bon. Snow a mangé un aliment qu'elle n'a pas aimé. Qui sait, elle l'aimera peut-être demain, mais clairement pas aujourd'hui. Si elle n'aura probablement plus envie de manger tant que cette sensation sera là. Bah ben super Oh non, les toilettes, c'est une blague. J'ai réparé au oh non Ça a marché oui, parfait. Snow, elle est toujours sur le pot. Et du coup, pour augmenter son imagination, il faudra que je voie un peu euh, ce que je peux lui acheter comme jouet. Parce que là, de mémoire, je sais plus. Pour participer, ouvrez les cadeaux venant d'un tas de cadeaux. A qui la compétence pot. Merveilleux. Et elle va venir ouvrir. Euh... Ah, mais attendez, non, c'est mieux qu'on le fasse tous ensemble, je pense. Oh là là, elle est vraiment dans un état pas possible. Je sens qu'elle va être capricieuse au maximum. Vous le sentez, vous aussi Moi, je le sens vraiment comme ça. Heureusement que j'ai pas fait des enfants rapprochés parce que... De toute façon, petit, euh, petit spoil, pas vraiment. Vous savez que euh, le prochain enfant sera une sirène ou un triton. Donc, je tiens à vous préciser que je ne ferai pas le deuxième enfant tant qu'on ne sera pas allé à Soulani pour qu'il se passe quelque chose qui justifie, eh bien, euh, ce, ce changement de, de trait occulte. Regardez le contenu d'un cadeau. Euh, venez en festa. Il peut faire ça, lui aussi, discrètement. Les sims ayant le trait de caractère bienveillant aux proches de la famille sont trop intègres pour regarder... Regardez en avance le contenu d'un cadeau. Oh, J'ai trop envie qu'on le fasse. Attendez, en attendant, il va aller aux toilettes, lui. Comme ça, il ne le voit pas. Voyons voir. Regardez le contenu d'un cadeau. Toi, tu vas venir ici, là. Comme ça, tu vois pas non plus. Après, il faudra qu'elle aille s'amuser. Et je veux voir cette interaction. Mais regardez là. Elle est trop cute. Et du coup, elle l'a récupéré ou non Elle a juste regardé. Oh, elle est triste. Pourquoi elle est triste Qui offrirait ceci Un morceau de charbon. Otsana est loin d'être ravie. Mais quelle horreur! Heureusement que c'est pas la petite qui l'a ouvert! Un morceau de charbon, il est dans l'inventaire du foyer, je crois. C'est vraiment tragique! Bon, maintenant, on va venir ouvrir les cadeaux tous ensemble. Hop, avec Otsana et Snow. Je crois qu'il n'y a pas assez de place en fait. Mince. Bon, viens ouvrir ton cadeau, euh, tant pis, c'est pas grave, on va le faire euh, à la chaîne. Ils sont quand même tous ensemble. Hein. Ah, il y a un chat qui a faim ici. Ben, la gamelle est pleine, donc euh, tu peux y aller. Hein. Alors, est-ce que c'est encore un morceau de charbon? Waouh, Andrew a reçu cet objet, machine à karaoké, amplificateur lyrique. Incroyable. Et la petite, du coup, ouvrir un cadeau. Elle est trop mignonne. Qu'est-ce que c'est Wisp. Ah, oh, c'est quoi c'est une carte, vous trouverez les cadeaux, oh c'est un peu nul je trouve, pour un bambin je veux dire, c'est pas le truc le meilleur, le meilleur du monde quoi. Bon, elle a besoin de s'amuser maintenant, alors on va lui installer un peu des jouets, parce que là elle en a pas. Après dans sa chambre elle en a, hein, vous allez me dire, on va peut-être enlever ça et rajouter un jouet en CC, comme ça on peut continuer un peu à en profiter. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre là dans sa chambre Le petit téléphone, pourquoi pas et en bas, euh, tenez, à côté du chevalet, parce que c'est dans le thème, on va lui mettre euh, le petit truc pour dessiner à ce niveau. Et on va lui mettre ça. J'aurais bien aimé le caser quelque part. Bah là, non, ça passe. On va dire que ça passe. Donc je pense que là, les deux trucs, ça lui fait le... la compétence imagination. On va tester aussi, voir si ça augmente également le, le divertissement, je pense que oui quand même. Oh le petit chat il est triste. Nous, on va faire une expérience, ou alors on va peut-être venir faire un duel avec, euh, avec Andrew, pourquoi pas. Duel de magie, duel amical, voilà. Peut-être que ça peut comme ça les aider. Lui je crois qu'il était sur le point de passer maître, voilà. Donc euh, comme ça au moins il pourra devenir maître aujourd'hui. Oh il y a un petit chat ici. Vénus souhaite passer du temps ici. Ah elle demande à Andrew, elle demande pas à, à moi qui suit sa fille. Est-ce que ça fait l'imagination Oui, parfait. Bon, pour l'instant, euh, il est toujours plus fort que moi, donc euh, c'est un peu compliqué. Par contre, ils sont tout le temps enjôleurs quand ils sont l'un avec la présence de l'autre. C'est incroyable. Centrer la caméra. Ah, mais elle est déjà dans la maison Ah, mais d'accord, je ne l'avais pas vue en fait. <laughs> ok, ok. Alors, du coup, c'est ta grand-mère. Ce serait bien que tu ailles la rencontrer. Tu feras ton imagination plus tard. C'est quand même ta grand-mère. Euh, qui c'est qui m'appelle Ah, Andrew, je trouve euh, je ne sais pas qui. Très mignonne. Euh, oui, si tu veux, papa. Euh, pas de soucis. Nouveau trait de caractère, sûr de lui. Pas ton meilleur duel. Tu auras plus de chance la prochaine fois. Ok, donc Andrew est sûr de lui. La petite, elle va rencontrer sa grand-mère. Il va continuer à s'entraîner un peu comme ça, au moins, s'il peut passer maître. Franchement, ce serait pas mal. Et puis nous, on va aller au chaudron, je pense, un peu. Comme ça, on est avec la petite, parce que là, c'est pas très RP, en fait, de l'avoir laissée toute seule. Enlacer tendrement. Affection. Envoyer un baiser. Aide, bain, manger. Oh, elle lui fait un câlin. Elle va demander à Vénus de lui donner à manger, mais comme elle est difficile pour la nourriture, je sais pas. Ah, il a appris un nouveau sort, refroidio. Je sais pas si ça va lui plaire ce qu'elle va lui donner. Recevoir un cadeau Oh, mais trop mignon Sa grand-mère, elle lui donne un cadeau C'est quoi Trop mignonne Encore un wisp Oh là là, c'est nul par contre. Mais bon, c'est pas grave, c'est mignon quand même. Bon, tu peux me donner à s'il te plaît, maintenant Otsana a découvert une nouvelle potion euh, potion d'insulte. Une potion qui débloque une forte animosité. C'est trop bien, je lui offrir un petit cadeau, j'obtiens tout ce que je veux, raison est pénible. Ce bambin redoutable fait clairement la loi, l'autorité n'est pas toujours proportionnelle à la taille. Mais non, mais c'est. Elle est infernale, cette gamine, c'est pas possible. Il y avait un truc énervé, mais il y est plus. C'est vraiment une vraie peste en fait, Snow. C'est incroyable. Bon mange, hein. Sinon, euh, bah tant pis, tu auras faim jusqu'à ce soir, hein. je te le dis. Hein. T'es infernale, pour la peine tu vas rester là-dedans, voilà, pendant que la mère et la fille, elles discutent. Suppression de malédiction, ok. Bon, la petite par contre, elle est punie dans sa chaise, hein, je vous préviens. <laughs> elle montre un truc, elles sont super proches, la mère et la fille, quand même. L'esprit de Marianne est en train de disparaître, est-ce que vous vous souvenez de qui est Marianne C'était l'une des membres de la famille de loup-garou qui avait hébergé Vénus au moment où elle était passée jeune adulte. Non, elle était encore ado, d'ailleurs. Oui, elle était ado, on avait commencé ado avec elle. Oh, incroyable. Bon, fais-la sortir, cœur réchauffé, raison, dynamique familiale solidaire. Curtis qui m'appelle, mais au lieu de m'appeler là, pourquoi il vient pas, il y, y a déjà maman qui est là donc euh... vraiment les loups-garous ils sont très oppressants, hein. c'est une, une famille très très oppressante quand même, je veux pas dire, mais euh... remplacé par un cadeau piégé. <laughs> Quelle horreur Tu veux pas jouer un peu avec elle là Activité, euh, jouer, voilà. Comme ça, ça augmente son divertissement. Elle a faim, bah oui, bah elle avait qu'à manger avant. Elle attendra ce soir. Maintenant, Curtis a répandu des ragots juteux sur Sélénée. C'est ta belle-mère. Pourquoi tu fais ça Bon, nous on va nettoyer les dégâts, hein, de ce qu'elle a fait. Vraiment, cette petite fille, elle est. Je sens qu'elle va être compliquée. Vraiment, je le sens. C'est une peste en fait. C'est une petite peste. Voilà. Elle est très mignonne, mais c'est une peste. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je pense qu'on va faire un petit délicioso, enfin un grand délicioso en l'occurrence pour ce soir. Comme ça, on change un petit peu. Ah, il faut que j'enlève aussi ce qui est gâté là, parce que je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ça augmente son divertissement à lui Oui, et à elle aussi. Parfait. Elle a la dalle, mais bon, elle a qu'à manger aussi ce que je lui donne. Hein. Sa grand-mère, elle lui a fait un petit sandwich et tout. Elle l'a jeté par terre, quoi. Vraiment, euh... je pense qu'on va retenter de la faire manger, tant pis. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est Des pâtes Bon, elle devrait aimer. Tout le monde aime les pâtes, ok On va mettre Snow dans la chaise. Prendre une portion pour Snow. Elle a intérêt à manger, vraiment, je vous jure. Bon, heureusement que j'ai fait un délicieux Je me suis pas pris la tête à cuisiner. Donc, ça me vexera un peu moins. Mais au bout d'un moment, il faut qu'elle se nourrisse, cette enfant-là, quand même. Est-ce qu'elle comprend le concept de manger, vous pensez Parce que moi, je crois pas. Hein. Si elle le jette, on refait un autre délicioso. Non c'est bon. Là je pense qu'elle s'est dit bah j'ai pas trop le choix en fait. Il faut que je mange. Du coup on n'a pas du tout pu travailler son imagination aujourd'hui. bon c'était un peu compliqué il y avait Noël et tout. D'ailleurs il y a le Père Noël qui va arriver là. Oui. Donc euh, va falloir qu'on fasse les interactions. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que je lui demandé un cadeau. Le Père Hiver apparaît à 20h près des cheminées. On a une cheminée. Oui. Il devrait apparaître par là du coup. Alors c'est bon. Elle a mangé. Non elle a pas fini. Hein. Continue. Mangez pâte à l'ail. Là, voilà, elle va la jeter par terre. Voilà, je, je commence à la connaître. Hein. Voilà. <laughs> bon, au moins, elle a un peu mangé. Fais-la sortir de sa, de sa chaise, là. Hop. J'attends que le Père Noël, il arrive, là. Il est un peu en retard. Euh... Ah, il est là. Autant pour moi. On va commencer par Andrew. On va donc, du coup, se présenter. Demander un cadeau. Voilà, on va faire ça. Ensuite, on va faire venir les filles aussi. Combien ça vaut là, les, les trucs qu'elle a eu là Ouf, cinq simflouz, merveilleux. Où est-ce qu'ils vont les deux Quand je vous dis que cette maison, elle, elle est à la fois immense et à la fois minuscule, c'est pas des vannes. Qu'est-ce que c'est Il est si gros qu'il a dû faire, qu'il a dû être mis dans l'inventaire du foyer échiquier stratégique. Ok, bah il se fout pas de nous le, le père hiver. Hein. Andrew il est fatigué, il va aller faire un pisso, il va aller dormir. Hein. Oh la petite, elle a encore envie d'aller au pot, je vais mourir. Elle est difficile, vraiment, hein. elle est pénible, mais pour de bon quoi, pour de bon. Je galère pas autant d'habitude avec les bambins, mais elle... Et on en a qu'un, dites-vous. Hein. Un mûr chat fan de jazz. Moustache d'un passé oublié. J'ai pas trop compris ce que c'était. Ok, la petite maintenant. Parler à l'inconnu. Hop. Oh là là, il y a du linge partout. Non mais au secours, au secours j'ai du mal, hein. J'ai vraiment du mal. Non, ne prends pas ta fille. Laisse-la tranquille. Demande ton cadeau, s'il te plaît. Bah, je peux pas. Elle peut pas faire cette tradition-là. C'est peut-être un bug. Peut-être qu'elle est censée être grisée normalement. Allez, va au pot, s'il te plaît. Qu'on aimerait bien aller dormir. Et toi aussi, d'ailleurs. Donc, dépêche-toi un peu, s'il te plaît. Et par contre, si elle commence à, à faire la, la nerveuse, bah, elle ira pas. Hein. Tant pis, elle sera se dans sa couche. Elle veut pas. Attendez, est-ce qu'elle l'emmène Oui, elle l'emmène. Sinon, tu te fais dessus. Hein. Tant pis pour toi. C'est pas moi qui va puer le caca toute la nuit, hein, tu sais. Elle est en colère. Pourquoi Je ne veux pas. Et Personne ne me conviendra, me convaincra de le faire. Mais de qui tu tires, toi Tu tires de qui pour être aussi infernal Elle a faim et tout, mais écoutez, tant pis, il faut qu'elle dorme et Otsana aussi d'ailleurs. C'est besoin. J'ai qu'un enfant. Qu'est-ce que je vous disais Moi, je veux faire l'occulte baby challenge, mais j'ai craqué en fait. Je suis sur le point de me la faire enlever alors que j'en ai qu'un. J'ai vraiment craqué. Il y a du linge partout, c'est une catastrophe. Les chats, ils ont faim. Bon, c'est pas les miens. Allez, dépêche-toi qu'on a faim. Pas du tout, on a sommeil, on n'a pas faim. Elle grandit quand cette énergumène là Oh purée, elle grandit samedi. Euh, c'est loin, hein. c'est loin samedi. Hein. Je veux pas. Vous inquiétez, mais euh... mettre Snow on va dormir. Nous, on va se faire une purée de grasse matinée parce que vraiment, ça va pas du tout là. Regardez-moi tous ces moulettes. Qu'est-ce qu'elle a Environnement déplaisant, fatigué, mauvais conseil pour le pot, bambin désobéissant. Ça va, euh... ça va aller. Oui, oui, ça va aller. Allez, va dormir. Là, que au bout de ta vie, vraiment. Et j'espère qu'elle va pas se réveiller euh, bah, au cours de la nuit. Je pense pas. Elle est vraiment éclatée. Euh... L'hiver euh, était une réussite. Alors du coup, oui, les cadeaux là. Alors c'est ça le truc chat. Ok, super. 1455, 1000 simflouz, 1895 et 10, le petit morceau de charbon. Bon, Andrew, il est déjà quasi en forme, donc c'est lui qui va s'occuper de la petite euh, le matin parce que nous, euh, faut qu'on dorme. Hein. Pour l'instant, les filles, elles dorment encore, donc profites-en, occupe-toi de tes besoins, s'il te plaît. Parce que là, vraiment, ça va pas du tout. Euh, la lessive aussi, euh, au secours, faudra qu'on s'en occupe parce qu'il y a du linge littéralement dans toute la maison, donc euh, à l'aide. Bah, ça va, elle a vite rattrapé son sommeil finalement. Je pense que je vais la lever aussi, comme ça, au moins, euh, ils sont tranquilles. Ils peuvent déjeuner tranquillement avant que la terreur ne vienne se, se mêler à eux finalement. Tu vas aller prendre une douche, tu vas aller prendre des restes. La petite, elle a super faim, mais elle n'a pas encore terminé sa nuit. On va la laisser euh, dormir. Hein, voilà. Princesse, elle est où Sur le canapé. Ok, il faut vraiment que je réinstalle le mode pour contrôler les animaux parce que j'ai vraiment l'impression, bah de, du coup, de, de, ne, vraiment de ne plus la calculer. Alors que, bah si, en soi, mais... Euh... Qu'est-ce qu'elle fait, elle Mais non, mais je joue pas avec la poubelle, mais j'en peux plus. <laughs> C'est trop dur, cette partie, vraiment. Vous dites que ça pue, mais ça va. Il y a juste une chaise sale. Euh, C'est pas... Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Bah tiens, euh, si ça t'énerve autant, va nettoyer ça, va nettoyer ça. Et après la lessive, euh, voilà, il faut qu'on s'en occupe aussi. On va déjà laver tout ça, là avait dans une bassine parce que ça prend un siècle et demi à chaque fois. Bon, les parents, ils sont bien restaurés. Oh, Il enlève mon assiette en plus. C'est pas beau ça, franchement. Tu vas aller faire un pissou et tu vas aller, du euh, coup comme, comme hier, comme demain, pas du tout. Me faire de la supervente ici, également à ce niveau-là. Et tu vas aller me désherber la zone ensuite. Oh non, elle est réveillée. Oh non, elle est réveillée. Bah on annule tout. <laughs> on annule tout. Euh, il faut aller la faire manger, nourrissez-la avant qu'elle vous soit retirée. Et j'ai qu'un enfant, j'ai qu'un enfant et on me menace déjà de me la retirer. Imaginez avec 100 euh, Non, je, je... c'est inconcevable, je ne peux pas. Non, ne te lave pas les mains, on n'a pas le temps. Écoute, bon, elle l'a fait quand même, c'est pas très grave. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ici Ça sert à rien de nettoyer en boucle, là, Andrew. Hein. Pourquoi tu l'as cassée Comment t'as fait ça euh, T'as pas réparé au, toi Bon, c'est pas grave, on Voilà. Placer, euh, tu vas aller me nettoyer ce pot et me faire la lessive du coup. Qu'est-ce qu'elle aime pas elle déjà Je sais plus. Elle avait bien aimé les pâtes et eh ben on va lui donner des pâtes de bon matin que le grand petit déjeuner elle avait pas aimé donc euh, tant pis. Séparation parentale dans 24 heures s'il te plaît mange. Après tu iras t'amuser d'accord Comme ça on fait bien ta compétence euh, imagination. Je me demande si c'est aléatoire ou si c'est vraiment en fonction des plats parce que hier elle les a mangé les pâtes. Ouais là elle les mange. Euh, par contre non. harmonie à propos du fait de manger dans la nourriture des humains. Mais non mais je peux pas ça marche pas en plus. Euh... Regardez-moi ce chat ta fille, habille-la un peu parce que j'en ai marre de l'avoir tout le temps en pyjama, et puis tu vas la mettre dans sa chambre et elle va s'amuser. Voilà, poser Snow ici et elle va faire. Son imagination. Princesse, c'est bon, elle a arrêté ses bêtises, c'est parfait. Est-ce qu'il y a encore des tas de linge par terre ou un draw à tout récupérer Il y en a un ici. Mettre dans le panier à linge. On commence à s'en sortir là, c'est bon. Bon, elle a envie de faire pipi et tout, mais on va faire le divertissement d'abord, hein, parce que il est vraiment euh, très très bas. Après, il y a ce petit téléphone aussi qu'on peut tester, attendez. Appeler le père hiver. On aurait dû faire ça avant, c'est dommage. Appeler son personnage de dessin animé préféré. Elle a jamais regardé la télé, mais il n'y a pas de souci. Je suppose que ça va faire le social. En vrai, c'est bien pratique du coup pour augmenter le social. Ah non ça fait l'imagination. Ah oh, ça m'étonne, dis donc. J'aurais pensé que ça ferait le social. Ah non mais ça fait les deux en fait. Ça fait communication et imagination en même temps. Princesse, il faut vraiment qu'on s'occupe d'elle parce que j'ai l'impression qu'on on, on s'en occupe pas du tout. Donc on va la caresser, on va euh, la... lui faire un câlin, l'embrasser, voilà. On va aussi s'amuser avec elle. Ensuite elle va aller jouer avec un jouet. Je crois que ça aussi ça fait l'imagination. En tout cas cette interaction elle est vraiment adorable. Regardez-moi ça. On dirait pas du tout que c'est un CC quoi. On n'a pas cette interaction de bambin au téléphone. Je crois dans le jeu de base. Donc, euh, il a vraiment tout fait de lui-même et c'est incroyable. C'est trop bien fait. On va aller du coup, comme je disais, au sous-sol faire de la super vente, tout arrosé, désherbé également. Ensuite, quand elle aura fini, elle ira faire la même chose dehors donc euh, désherber la zone mais elles ont jamais besoin d'eau ces plantes c'est dingue quand même Andro du coup, vider la lessive, accrocher à la corde à linge par contre on en parle qu'on est euh, jeudi on est presque à la fin de l'hiver il a toujours pas neigé c'est un peu dommage d'habitude il neige à chaque fois dans mes let's play bon je pense qu'on va la laisser se faire dessus et puis on la changera parce que... et on la lavera au passage parce que dans tous les cas elle est sale donc au moins, euh, au moins on est tranquille pendant un petit moment déjà <laughs> je suis vraiment une mère indigne je vous l'ai dit hein, mais euh, non le sang bébé euh, c'est pas pour moi quoi <laughs> Vraiment pas. Andrew, j'aimerais bien que tu passes enfin maître ce serait vraiment pas mal on n'a même pas eu le temps d'aller au monde magique aujourd'hui on va y aller à la fin de l'épisode je pense euh, peut-être maintenant d'ailleurs ouais pourquoi pas ah ben voilà Andrew est maître il manquait vraiment pas grand chose euh, donc le prochain rang c'est virtuose qu'est-ce qu'on peut lui prendre de beau immunisation contre les sortilèges ce serait pas mal mais j'ai pas assez écoutez on va quand même prendre les deux là toutes les augmentations d'énergie magique sont réduites j'aimerais bien lui prendre ça la prochaine fois voilà il est passé maître bah ben, écoutez on va aller au monde magique de suite voilà les deux ils sont à peu près bien tu te souviens de la et euh, Famaona, et eh bien j'ai eu un rencard Et c'était super, bah, tant mieux, tant mieux pour toi Allez, nous on se taille hein. <laughs> on va... Ça nous fait des petites pauses en vrai Le monde magique c'est pas mal Ah il y a notre père, bah désolé on s'en va Trop tard. On est arrivé. On va voir un petit peu si les trois boutiques sont ouvertes. La dernière fois, il y avait celle du milieu qui était fermée et elle est encore fermée. C'est pas possible. Je me demande s'il y a des horaires spécifiques. Non, je pense pas parce que sinon, ce sera affiché. Mais bon, on va marchander déjà ici. Écoutez, mais il y a une vendeuse là. Ah, mais c'est, <laughs> mais c'est la fille que que le père de Andrew il a, il a dragué. Mais c'est un fantôme. La belle-mère de la future belle-mère de Andrew est un fantôme. Bah écoutez, pourquoi pas. Hein. Mais ce serait bien qu'elle aille prendre sa boutique là au lieu de faire je sais pas trop quoi. Vous plaisantez Je vends déjà à perte. Alors, qu'est-ce que tu vends justement C'est ça qui nous intéresse. Alors, baguette en os, je je crois. Baguette magique naturelle de cette couleur là, je sais plus. Le familier crâne, je l'ai pas. Et celui-là non plus. On est déjà à 756 simflous de dépenses. Je vais en profiter pour regarder si j'ai euh, cette baguette là. C'est très cher, hein c'est très très cher. Heureusement que voilà. Cette génération n'a pas trop de difficultés en termes d'argent. Euh, je n'ai pas la baguette magique. Ah bah si elle est là. Baguette magique naturelle. La baguette os, euh, elle est là. Ok, il y avait quoi d'autre Je sais plus. Baguette magique en bois, bah, je l'ai aussi. On va vérifier, mais il me semble fortement que je l'ai. Hein. Oui, elle est là. Je crois qu'elle va ouvrir sa boutique. Bon, Otsana est trop embarrassée pour marchander. C'est dommage, c'est dommage. Alors, balai en bois classique euh, de cette couleur et balai éponge. Est-ce que je les ai Balai en, bo en bois classique, je l'ai. Balai éponge, euh, je l'ai, mais peut-être pas de cette couleur. Si je l'achète, là il y, y a marqué 19. Si je l'achète, est-ce que ça augmente le nombre, parce que c'est pas très clair hein, quand même ces collections là. Est-ce qu'il faut vraiment avoir toutes les couleurs Le plus 5 ça veut dire quoi euh, Je suis pas sûre de comprendre. On va tester. Hop, il y avait marqué donc 19. Il y a toujours écrit 19 donc je l'avais déjà. Bon bah c'est bon, on peut rentrer à la maison. Elle a toujours du mal à voler avec son balai quand même. <laughs> oh bah regardez qui y a là. C'est l'aîné, invité à entrer. Andrew, qu'est-ce qu'il fait Il se baigne. Mais on est en plein hiver, Andrew. Mais du coup, ses besoins à elle, ils sont remontés. Mais c'est trop cheaté. Ok bah super. Bah écoute, euh, va jouer à la poupée. Tu peux y aller là Oui. Comme ça tu fais encore un petit peu ton imagination. Andrew, euh, change-toi vraiment. Euh... Après c'est vrai qu'il fait quand même chaud. C'est assez étonnant vu qu'on est en plein hiver, mais bon, pourquoi pas. Bah tiens, Séléné justement. Andrew voulait te parler. Qu'est-ce qu'il voulait faire Discuter avec séléné Ok. Se renseigner sur les loisirs, voilà. Puis elle, elle va venir aussi. Elle est passée niveau 2, j'ai pas fait attention, mais bon. Est-ce que cela pourrait signifier qu'Otsana aime les pensées profondes Bah écoute, oui, pourquoi pas. Ah, il n'y a plus de croquettes, mais il y en a dans le réservoir, donc il devrait... Euh, il devrait quand même pouvoir se remplir. Le petit chat qui veut montrer euh, sa présence qui se met en plein milieu de tout le monde. Céline, elle est trop classe. Oh, il y a un autre chat, coucou. Comment il s'appelle Codé. Il est trop mignon. Ah, elle en a marre de la maison de poupée. Peut-être que tu peux jouer un peu avec tes jouets là. Il y a des miaou miaou partout là. Ah, les toilettes, horrible. Il y en a un qui a un je crois, non Pourquoi je peux pas faire euh, de la magie sur les toilettes C'est dommage, c'est un bug ça, je pense. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a piégé un cadeau, j'ai rêvé je l'ai vu faire un truc bizarre. On va tester d'ouvrir un cadeau, ça m'intrigue. Soit elle a regardé dedans, soit elle a fait un piège. Qu'est-ce que c'est Une carotte, ok. Je sais pas si c'était un piège ou si c'était vraiment un cadeau. Euh... Présence criminelle. Pensez-vous vraiment que ce sim pourrait être un génie criminel De quoi tu parles, Andron Cadeau décevant, c'est un cadeau plutôt inhabituel. Ah bah oui. Il a qu'un lapin qui pourrait être content de voir un cadeau pareil, hein, Vraiment. Ah, elle est fatiguée, mais il est super tôt. Euh, bah écoute, va faire une, une petite sieste. Vraiment, ah t'es livré à toi-même aujourd'hui, mais bon c'est pas très grave, voilà, fais une sieste euh, en, position euh, en position de petit chien là. bonjour ma chérie, c'est papa, quand vas-tu venir nous voir, j'ai donné tout mon amour et fait beaucoup d'efforts pour t'élever, je vais venir demain ok, à très bientôt, alors il faudra que je me souvienne qu'il faut qu'on aille chez nos, nos, nos parents loups-garous, parce que c'est vrai qu'on n'y est jamais allé, euh, on n'est jamais retourné à Moonwood Mill depuis qu'on y est qu'on est parti quoi, alors qu'on est déjà retourné à Forgotten Hollow et tout, donc en vrai oui c'est une bonne idée, bon alors on va réveiller la petite, elle a besoin d'un peu d'attention, donc on va aller lui en donner parce que Bon, elle est un peu restée enfermée toute la journée toute seule, quoi. Donc, euh, affection, enlacer tendrement, raconter une histoire. Je sais pas où est-ce qu'elle va mais elle y va en tout cas. Dynamique solidaire. Ah, c'est bien ça. Lui avec sa fille c'est strict et elle c'est solidaire. En fait non, ils ont pas un pécablo tous les deux mais je t'ai persuadé que si. Je dois confondre avec le défi ami de la forêt vraiment. Pourtant ça fait un moment que je l'ai fini déjà mais je suis vraiment euh, complètement emmêlée. Ah, euh, trop mignonne. Je pense qu'on va aller lui lire une petite histoire. Il est super tôt mais elle est fatiguée, elle, les besoins, le reste des besoins sont nickel donc euh, on va faire ça, hein, voilà. Donc à l'avenir, je pense qu'elle sera plus proche de sa mère que de son père. Bah c'est déjà le cas de toute façon, c'est déjà le cas. Alors euh, bon maintenant que les toilettes sont nickel on peut les utiliser, formidable, et puis... Mais il y a encore Vénus, non mais elle est... Franchement Vénus elle abuse un peu là quand même. T'es venue euh, hier ou aujourd'hui je sais plus là. Elle abuse Vénus quand même, franchement. Il est 19h, personne t'a invité, on va venir chez toi demain donc t'inquiète pas, mais euh, franchement elle abuse. Je trouve, ok, elle s'est endormie, merveilleux. Princesse, elle est encore dans la chambre de la petite. Elle est toujours dans sa chambre. C'est trop mignon. Ah, il y a encore du linge par terre. Ben, on va le mettre dans le panier. Hein. Ok, génial. Il est une heure du matin. Et il y a la petite qui vient nous réveiller. Super. Elle a faim. Mais t'es es plus un nourrisson en fait. Euh, tu dois manger à des heures normales maintenant. Tu sais. Au secours. Pourquoi tu me réveilles à une heure du matin En plus, tu vas te faire dessus. Tu vas être toute puante là. Je vous propose qu'on s'arrête sur ce magnifique visage de Snow. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude en laissant un petit pouce bleu. Ou un commentaire. En attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye!